Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Après une Apple Watch série 7 plutôt décevante l'année dernière, on attend avec impatience la nouvelle version de l'Apple Watch en 2022. Rappelez-vous, avec l'Apple Watch série 4, on avait eu un nouveau capteur. Le CG, avec l'Apple Watch série 5, pas de grosses nouveautés. L'Apple Watch série 6 avait apporté le capteur SO2 et rien, en tout cas pas de nouveau capteur pour la version 7. Et on a d'autant plus d'espoir cette année que l'année dernière, il y a eu pas mal de rumeurs comme quoi on aurait dû avoir un nouveau capteur, un capteur de température. Il n'est pas apparu avec la version 7. On l'attend donc avec cette version 8. Et c'est d'autant plus plausible que euh, pas mal de montres maintenant embarquent des capteurs corporels, des capteurs cutanes. Année. Alors, il y a différents prix. Il y a des montres plutôt euh, haut de gamme, notamment la Fitbit Sense qui coûte 250 euros, et puis même des montres alors qui coûtent une quarantaine, une cinquantaine d'euros euh, qui embarquent ce type de capteur. Après, faut voir euh, la qualité du capteur. Alors, c'est peut-être ça qui a freiné justement Apple. Est-ce que les résultats n'étaient pas suffisamment fiables pour introduire ce nouveau euh, capteur ou tout simplement Apple suit sa chronologie, c'est-à-dire que euh, bah, tous les deux ans on va avoir un nouveau capteur Ça, on ne sait pas. Et puis d'ailleurs, hein, le capteur de température ne serait pas la seule nouveauté, le seul nouveau capteurs qu'Apple pourrait nous proposer sur sa montre. On parle de capteurs de glycémie, on parle également de capteurs pour l'hypertension, mais là encore ça serait sans doute plus tard, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, euh, le plus probable en tout cas ça serait le capteur de température cette année. Alors ce qui semble sûr en tout cas si on avait un capteur de température, euh, ça serait qu'on ne pourrait pas l'utiliser comme euh, on, on pouvait imaginer l'utiliser, c'est-à-dire que euh, de, de demander à l'instant T quelle est la température de mon corps, ça ne fonctionnerait pas comme ça, ça serait ça sans doute dans un premier temps simplement une mesure d'ovulation, c'est-à-dire pour voir euh, donc chez la femme et la nuit euh, donc de, de mesurer la température pour savoir si euh, donc la femme est en période d'ovulation. Du coup, la grande question c'est de savoir si Apple sort cette année donc ce nouveau capteur, est-ce qu'en plus de la gestion de l'ovulation, est-ce qu'on va avoir donc cette gestion de, de la température personnelle, ou est-ce qu'une mise à jour WatchOS par exemple euh, bah, pourrait euh, intervenir dans, dans quelques mois pour gérer donc cette nouvelle fonctionnalité. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Je suis plutôt optimiste dans le sens où je ne vois pas Apple sortir un nouveau capteur uniquement pour l'ovulation. Je pense que ça sera un petit peu trop confidentiel euh, et pas forcément très utile pour relancer les ventes. Et puis pour terminer cette vidéo, un petit point concernant d'autres rumeurs concernant l'Apple Watch de cette année. Une nouvelle Apple Watch série SE2 pourrait faire son apparition. Donc ça, bon, ça me semble plutôt plausible. Par contre, une autre Apple Watch plus robuste pour faire des, des sports extrêmes pourrait également donc faire son apparition, ça j'y crois un petit peu moins, dans le sens où euh, l'Apple Watch déjà se veut robuste, alors ça voudrait peut-être dire que euh, bah, l'Apple Watch principale, en tout cas la, la, la plus vendue, ne serait pas si robuste que ça, ça dévaloriserait le produit, j'y crois un petit peu moins. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et surtout à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. A très bientôt